Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, est arrivé hier après-midi à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à l'aéroport par le président du Faso. Le président nigérien va séjourner au Burkina pendant 48 heures, au cours desquelles lui et son hôte aborderont des questions relatives à la coopération entre les deux États, à la sécurité et à l'intégration sous-régionale. Cette visite est la première au Burkina Faso du président Bazoum depuis son accession à la tête du Niger. Le syndicat des transporteurs du Burkina Faso, section Haut-Bassin, a intercepté à Farakoba, localité située à 15 km de Bobo-Dioulasso, un convoi de 5 cars d'une compagnie de transport ivoirienne à destination du Niger. Ces cars transportaient des passagers nigériens ayant quitté la Côte d'Ivoire en destination Niger. Les responsables du convoi ont indiqué avoir des laissez-passer délivrés par les autorités ivoiriennes et burkinabées pour conduire leurs passagers au Niger dans le cadre du Maouloud. Le syndicat des transporteurs du Burkina Faso s'est indigné du manque d'information des autorités et appelé à l'ouverture des frontières. Des hommes armés ont sillonné les villages de Barga, Tougouri, Bouli et Ité dans la région du Nord le week-end écoulé. Les assaillants ont brûlé des récoltes, emporté du bétail et pillé des boutiques selon l'agence d'information du Burkina AIB. Ces incidents interviennent au moment où les populations s'apprêtent pour les nouvelles récoltes et la communauté musulmane Tidjania à Saféré a célébré la fête du Maouloud à Tansaliga dans le Loroum et à Ramatoulaye dans le Yatenga. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a lancé le week-end écoulé son nouveau parti politique. Il s'agit du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Laurent Gbagbo a expliqué que ce nouveau parti servirait à entamer son retrait de la scène politique. Lors de son discours, il a invité ses militants à reprendre la lutte politique avec tout son soutien. Et avant de nous quitter, nous revenons au Burkina Faso. Vous rappelez que depuis samedi dernier, Ouagadougou vit au rythme de la 27e édition du FESFACO. Prenez donc d'assaut les différentes salles et espaces de projection sélectionnés à cet effet. Bonne fête du cinéma africain à toutes et à tous. Ce Flash Info est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.